Et bonjour, bonsoir, le peuple de YouTube. Je vous souhaite la bienvenue pour la partie 8 du Let's Play de Super Mario Sunshine sur GameCube. Donc, la dernière fois, on s'était quitté après avoir réussi difficilement le niveau des pièces rouges du Port Rico. Mais on l'a tout de même réussi, c'est le principal. Vous voyez qu'on a fait le tiers du jeu. Parce que je vous rappelle que le maximum c'est 120 soleils. Là, on est à 40. Bon, même si encore une fois je vous ferai pas un let's play 100%, hein, je vous ferai juste l'essentiel, c'est-à-dire battre Bowser à la fin. Allez, du coup, on continue. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on va retourner au Port Rico. Parce qu'en fait, l'épisode 6 du Port Rico qu'on a fait avant de quitter la vidéo, enfin avant de finir la vidéo, c'était justement celui avec les pièces rouges. Et en fait, le niveau juste après, donc l'épisode 7, ça va être la traque d'Anti-Mario. Et ce sera la deuxième fois que l'on va choper Anti-Mario. La dernière fois, enfin la première fois, c'était à la colline Bianco. Et je vous rappelle qu'il faut attraper Anti-Mario dans les 7 mondes pour pouvoir accéder à Bowser. Donc il est ici. Bouah, je m'en souviendrai. Donc on l'a eu, c'est la deuxième fois qu'on le chope. Et vous savez quoi, on va aussi retourner à Gelato les Flots. Parce qu'il me semble que le dernier épisode qu'on a fait c'était l'épisode 5. Donc il nous reste le 6 et le 7. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va se faire les deux épisodes de Gelato les Flots. Comme ça, j'en aurai fini avec ce monde. Alors oui, c'est sûr que je pourrais faire l'épisode 8, mais on ne va pas s'y consacrer. On ne va faire que l'essentiel. Parce qu'en soi, l'épisode 8, il n'est pas obligatoire quoi, pour finir pour aller affronter Bowser quoi. Allez. Épisode 6, pièce rouge et coraux. Ah oui, ce niveau. Un petit peu chiant, mais sympa quand même. À la fois chiant et sympa. C'est sûr que c'est contradictoire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors attention, c'est Cataquac. C'est Cataquac rouge. Donc faut se rendre là-bas, dans les coraux. Évidemment, c'est 8 pièces rouges à récupérer. C'est comme d'habitude, c'est toujours 8 pièces rouges. Et en fait, les 8 pièces rouges se trouvent dans ces coraux. Ah, il y en a une ici. Allez, plus que deux. Plus qu'une. Et où est la dernière? Où est la dernière? Ah, elle est là. Ça y est. Ah, et maintenant, on va s'occuper d'Anti-Mario.
vu que c'est l'épisode 7, donc c'est l'épisode juste après. Anti-Mario à la plage. Oh putain, l'enfoiré. Putain, j'ai toujours pas touché. Si, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, donc on en a fini avec Gelato les flots. Donc il nous reste encore 4 mondes. Et le prochain, ce sera le parc Pina. Vous savez quoi, et maintenant c'est ça qu'on va faire. On va s'occuper d'Anti-Mario dans chaque monde, parce que maintenant il n'y a plus que ça à faire, quoi. Donc direction le parc Pina. Nos amis les Toads sont toujours là, ainsi que Papy Toad. Épisode 5, la grande roue de la discorde. Oh, ce niveau, je m'en souviens. Là où est la grande roue tourne super vite. Il va falloir régler ce problème. Et là, si vous voyez bien, juste derrière, une espèce de grosse tortue. Voilà, bah c'est celle-là. En fait, c'est cette tortue. C'est cette tortue à la carapace électrique qui provoque ce problème, quoi. Qui est à l'origine de ce problème. Donc en fait, il faut se rendre ici. Et d'ailleurs, juste regardez. Là, si vous reconnaissez, ici c'est le Port Rico. Là, juste là-bas, c'est la place Delfino. Là-bas, c'est Gelato les Flots. Et là-bas, c'est la plage Sirena avec l'hôtel. Donc en fait, dans ce niveau. Et là, si vous voyez bien les grands arbres là-bas, en fait là les grands arbres, c'est le village Pianta. Et si vous voyez bien, il y a un bout. On voit un bout en fait de la colline Bianco. Donc rien que sur le parc Pina, on peut voir absolument tous les niveaux. Sauf un, et c'est la Benoki, parce qu'en fait la Benoki est complètement de l'autre côté. Complètement à l'opposé. Évidemment, on a le Mont Corona. Parce que si vous voyez la carte, on est ici. Hein. On est au parc Pina, là il y a la plage Sirena, Gelato les Flots, colline Bianco, Port Rico, la place Delfino. Le village Pianta, on le voit avec les grands arbres. Et la Benoki est juste à gauche du village Pianta, mais on ne le voit pas. En fait, c'est par là, quoi, genre. Enfin, bref. Donc là, il va falloir se rendre en haut. Ça, c'est un niveau qui est un peu chiant. Alors. Merde.
Putain, en plus la caméra. Putain, je rêve où j'étais bloqué là. Putain, attention là. Comment je vais faire là? Non, je peux pas passer en dessous là. Ah putain. Attendez. Mais putain la caméra. On voit rien là. Je sais, je peux pas, je peux rien faire. Non, je peux rien faire là. Putain. C'est qu'il y a toutes ces merdes qui dérangent là. Je pense qu'on est plus très loin là. Ouais, on est plus très loin. Non, je suis coincé là. Ah ok, d'accord. Super. Mais... Ok. Putain, je déteste ce niveau. J'ai jamais aimé ce niveau de toute manière. Putain, entre les problèmes de caméra. Enfin, la caméra qui se place jamais où tu veux. Ces merdes, ces tortues électriques à la con, là. Mais putain. Je vais essayer de refaire ce que j'ai fait. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors maintenant... Attention. 3, 2, 1. Et adios. Et la grande roue est revenue à une vitesse normale. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est monter dessus. Oh, non, non. Oh, putain. Oh, la vache. Oh, j'ai eu chaud, là. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Ouais, en fait, j'ai glissé. J'ai glissé, tout simplement. Et j'ai failli tomber tout en bas. Et il aurait fallu que je recommence tout. Ça m'aurait un peu énervé. Là, on voit vraiment tout, on voit super bien. Là, on est vraiment au point le plus haut du niveau. Mais le plus important, c'est le soleil. Ah oui, c'est le niveau secret. Oh putain, ça c'est un niveau secret où à l'époque j'ai galéré. Le secret du carrousel des Yoshi. Oh putain, non, ouais, j'y repense. J'y repense, je sais exactement ce que c'est. Oh putain, ça c'est un niveau, j'en ai chié. C'est un niveau où j'en ai particulièrement chié. C'est clairement l'un des niveaux secrets les plus durs du jeu. Vous voyez que sur le carrousel, il manque en fait un Yoshi. Mais putain, oh, ils sont chiants, c'est...
cette tortue électrique là. Donc en fait, faut se rendre ici. Et vous voyez qu'il manque là, qu'il manque un Yoshi. Et ce qu'il va falloir faire, c'est justement chevaucher Yoshi et se rendre à cet endroit, au carrousel. Par contre, eux, ils me cassent les couilles. Alors, Yoshi veut une banane. Alors, je ne sais plus. Bon, alors lui, déjà bouffe. Parce que tu casses bien les couilles, toi. Donc, faut récupérer une banane. Alors. Je ne sais plus où est-ce qu'on a une banane. Je vais essayer de le tuer, lui. Non, j'ai pas eu. Je hais ses ennemis, honnêtement. Bon, je vais pas passer mon temps à chercher une banane. Ah oui, attendez. Ah non, c'était pas une banane. Non, c'était un durian, il me semble, ça s'appelle. Ah. Ah, peut-être que... Non, là il n'y en a pas. Peut-être qu'ils sont sur ces palmiers. Non, là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Mais c'est pas possible. Pas passer notre temps à chercher une banane quand même, putain. Sinon si j'en trouve pas, je vais couper la vidéo et on se reprendra juste après avoir trouvé une banane, quoi, parce que c'est sûr que c'est pas intéressant de me voir chercher une banane, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec cet œuf? Eh bien, vois-tu, mon cher ami, cet œuf me demande une banane. Ah, mais il y en avait... Ah, mais oui, c'est vrai qu'elle était juste ici. Oh, putain, quel boulet. Allez, monte. Mais putain! Attendez. Voilà. J'avais oublié qu'elle était juste à cet endroit-là. C'est bon, maintenant on se rend au carrousel. Ah oui, il faut qu'il soit de couleur orange. Eh oui, oh putain. Attendez, je vais essayer de le choper. Je vais l'avaler parce que lui il va me faire chier. Voilà. Ah oui, il faut qu'il soit de couleur orange. Donc. Ok, c'est bon. Cette fois, on peut y aller. Voilà, cette fois. On se rend dans le niveau secret. Alors, celui-là, franchement, si je réussissais du premier coup, ce serait un miracle. Parce que j'en ai chié. Voilà, oh, putain. Oh mon Dieu. Ah, c'est une horreur ce niveau. C'est une horreur ce niveau secret. Oh putain.
C'est là où j'en ai chié le plus. Alors attendez. Faut que je visualise parce que là. Parce que là. Attendez. Voilà. On se rend sur ce bloc. Bloc vert. Bloc noir. Bloc bleu. Oh, putain. Ok, là c'est bon, on passe. Bloc noir. Bloc vert. Bloc rouge. Oh bah putain. Finalement, ce truc, je le passe du premier coup. Par contre. Ok, c'est bon. Ouh là 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 là, attendez. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Oh putain! Attendez. Ce bloc mobile là. Maintenant. Oui, c'est bon. Ok. Ok, là, faut faire des wall jump. Ok, j'ai compris. Merde, mais putain, pourquoi il l'a pas chopé? Non, 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 non! Oh putain. Comment faut faire déjà? Attendez. Comment faut faire? Attendez, on va tenter quelque chose. Oh, c'est passé. Oh, c'est bon, on a réussi, putain. J'y crois pas, je l'ai réussi du premier coup. Alors que ce niveau à l'époque, j'en ai chié, mais grave. Vraiment, j'en ai chié. Et là, je le réussis du premier coup. Incroyable. Franchement, je pourrais presque m'applaudir, quoi. Bon, maintenant, épisode 7, bah ce sera encore une fois anti-Mario. Hein. Anti-Mario prend du bon temps. Ouais, bah son bon temps, il va pas le prendre longtemps. Ça ne va pas durer. Ok. Comment est-ce que j'ai fait pour me... Pour me prendre un mur. Allez, viens là. Non, mais tu fais quoi, Mario? Allez, fais pas perdre de temps là. Où est-ce qu'il est? Oh non, pas eu. Oh les lags. Allez. Putain, il est tenace. Ah quand même. Et zut, je m'en souviendrai. Bon, on en a fini avec le parpina. Et je vois qu'on est à 25 minutes. Donc on a encore le temps de faire quelques niveaux. Donc le parpina c'est fait. Maintenant, direction la Benouki.
la baignade d'Il Piantissimo. Et là, normalement, c'est la deuxième fois qu'on le rencontre. Oh, les cervelets, je suis Il Piantissimo. Oui, c'est bien moi. Tu es prêt à faire la course jusqu'au drapeau? C'est une course jusqu'à l'arrivée que le meilleur gagne. Le meilleur temps est de 40 secondes. Je compte jusqu'à 5. Prêt? 1, 2, 3, c'est parti. Mon cher Il Piantissimo, je pense que tu ne sais pas compter. Merde. On est largement arrivé. 24 secondes. Parce qu'en fait, Il Piantissimo a fait un putain de détour. T'es rapide. Finalement, tu n'es peut-être pas l'éléphant de mer pour lequel je te prenais. Mais je ne te ferai pas de cadeau la prochaine fois. Quarante-sept soleils. Le secret du coquillage. Ça aussi, c'est un niveau que je n'ai pas passé à l'époque. Mais pas pour les mêmes raisons. Alors, oh putain, il va falloir monter. Il va falloir monter, oui, tout en haut. Je sais que c'est un pléonasme, mais c'est pas grave. Forcément, on ne va pas monter en bas et on ne va pas tomber en haut. Enfin, on ne va pas descendre en haut. Bon. Alors, par où faut-il aller déjà? On se fait ça et après on s'arrête là. Merde, allez! Mais alors? Voilà. Ouais, on se. D'accord. Ce serait bien qu'on ne perde pas de temps. Qu'on ne perde pas de temps. Et qu'on se fasse ça le plus rapidement possible. Allez. Alors. Ok, je peux me rendre là-bas. Non, mais... Oh putain, attention à ces machins. Oh putain, regardez ça. Là, on est vraiment... Ouais, là on est au point le plus haut. Non, c'est pas le point le plus haut du jeu, mais on est déjà quand même très haut. Attention de ne pas avoir le vertige. Ok.
Donc là, on peut voir le mont Corona, mais c'est la seule chose qu'on peut voir, c'est le mont Corona. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce coquillage. Voilà. En fait, la raison pour laquelle je n'avais pas passé ce niveau, c'est que en fait, je ne savais pas comment sortir d'ici. Je ne savais pas en fait qu'il fallait faire. Il fallait commencer par un wall jump. Je ne savais pas qu'il fallait faire des wall jump pour aller vers le haut. Mais bon, le niveau est quand même assez coriace aussi. Ça a pas recommencé ces bêtises là. Où j'appuie sur A et il ne veut pas sauter. Ah non 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 non, ça a pas recommencé là ces bêtises. Non, c'est bon là, putain. Oh, la vache. Ok, là on va avoir, je crois, des putains de problèmes de caméra ici. Oh là 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 là, attendez. Ok. Ok, c'est bon. Allez. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Bah merde, où est-ce qu'il faut aller? Attendez, je sais plus là. Possible, il faut aller où? Putain, je sais plus. Non, mais je rêve. Attendez. Non, mais c'est pas possible. Putain, en plus, là, on est à 33 minutes. Il faut que j'arrête la vidéo là après. Non mais je rêve. Bon écoutez, vous savez quoi? Je vais couper la capture là et on se retrouve juste après. On se retrouve après avoir obtenu le soleil. Allez, à tout de suite. Ok, nous revoilà. Bon finalement, je vais quand même finir. Je vais quand même vous montrer la fin du niveau. Finalement, j'ai trouvé tout de suite. Allez, on y va. Et là, le passage est coriace. Oh putain, le bloc tourne super vite. Ok, attention. Oh putain. Oh là 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 là. Ok, c'est bon. Oh la vache. Eh ben ça y est. 48.
Bon, ceci était l'épisode 6 et l'épisode 7, donc c'est évidemment la traque d'Anti-Mario. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode parce que nous allons nous arrêter là. Écoutez, c'est sûr, ce niveau secret, c'est après avoir réussi ce niveau secret que nous allons nous arrêter. J'espère que cela vous aura plu. On se retrouve plus tard pour la partie 9 du Let's Play. Je vous dis à plus et à la prochaine. Allez, salut à tous.